Oh là, c'est pas le décor magnifique ça. Oh là, bah, pardon madame. Bah, et c'est pas de la grossophobie, hein. Je disais pas ça pour ça. Mais bon. Vous puez un peu quand même, hein. Laissez-moi profiter de mon décor magnifique, j'étais en pleine intro. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on le sait qu'il y a des touristes là-bas, hein. Il y a que ça, ils cassent les couilles. Alors, madame, vous en voulez aussi? Pas de problème. Allez bien, mon arme, hein. Tiens, regardez, il y a un gros costaud là-bas. Est-ce que c'est un décor magnifique? Je suis pas sûr. Je sais pas. Mais voilà, on est bien, vraiment, regardez ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais. Ah, ça, voilà. Ça rend de la visite. Magnifique. Un super niveau, un super moment. On a cette belle plage. Regardez, des... J'allais dire une plage de sable, mais en fait, c'est plus une plage de merdouille. J'avoue que pour un truc touristique, ils auraient pu faire un petit effort quand même. Mais allez, on se contente de ce qu'on a. Et la compagnie, salut Manakel. Donc, on va continuer. Alors, je sais pas, j'avais quoi comme quête exactement là maintenant? Apporter le Blue Drive au Dr. Reed, mais j'avais aussi une quête secondaire qui était probablement dans le coin, on va la faire. Alors j'avais trouvé un message dans une bouteille. Utilisez le message de la bouteille pour trouver le critique culinaire arrogant. Journalier? Attends, voilà, la bouteille elle est là. Oh, cruelle ironie du sort dont la destinée entend m'affubler. Un ramassis de dénoyauteurs de fraises déguisés en petits soldats jugés bon de me refuser l'évacuation prioritaire. Une coupure générale de réseau m'empêche de m'adresser à mon imposant lectorat en ligne. Et des bêtes voraces, tout juste bonnes à engloutir plutôt qu'à savourer leur proie, rôdent à chaque recoin des éventuels chemins de la fuite. C'est vrai que les zombies, c'est pas vraiment des... c'est des gloutons, quoi. Ils dégustent pas. Voilà, ils prennent pas le temps pour ça. Et c'est ainsi que moi, Anthony R. Oliver, suprême autorité gustative de la Californie occidentale, on a eu de la chance, ils n'en ont pas fait un français. En général, cuisine, France, ouais, bref. Me retrouve seul. Quoique en fait... Oh non, c'est pas un français. Me retrouve seul, échoué dans un cloaque que j'ai maintes fois décrit en ligne comme le restaurant de fruits de mer le plus violemment surévalué de la Cité des Anges. Oh, cruelle ironie, disais-je. Que mon seul salut fut de me réfugier sur la jetée, terrée au fond du bien nommé Bucket. Le triste seau de poiscaille avariée. Mais c'est le... Bucket, c'est le... on va se retrouver dans l'univers de Bob l'Éponge, là, ou quoi? Y a pas un personnage, là, dans Bob l'Éponge, le plancton, là, qui a un restaurant, c'est un seau? Il va falloir que je répare cette petite merveille. Oh là là. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est plus humain. En fait, les zombies, ils souffrent pas. Carte, du coup, c'est où? Ah mais faut retourner là? Oh bah y aller de jour, pourquoi pas? Après tout, j'en ai pas assez profité, moi, de ce parc d'attraction. On voit que cet homme a un bon sens des priorités. Oui, tout à fait. Une invasion zombie, je m'en fous. Et la bouffe alors? Et la bouffe, ça compte. Non, surtout que bon, les zombies... Quelles sont ces choses qui ne savent pas manger de façon propre? Qu'est-ce qui se passe ici? Et pour le coup, on dirait... là, on se croirait... Ouah, il se passe quoi? Alors là, on se croirait grave dans Pacific Drive, hein. Il y a une anomalie ici. J'étais pas loin de sortir mon scanner, hein. Alors, putain, qu'est-ce que c'est? Likez-moi et suivez-moi. Nouvelle quête secondaire? Était avec les quêtes secondaires? Quoi? Hey, hey, hey! Don't you recognize me? Oh, elle est là, elle! Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est la meuf! C'est l'Instagrammeuse! C'est elle qui fait des stories avec des zombies. Il se passe quoi? C'est bizarre qu'il se passe. C'est toi qui fais ça? T'as un pouvoir étrange. I told you to stay safe in Bel Air. I know, but
I am so happy you're here, bestie. Elle veut faire des likes. En même temps, bah, apparemment, la connexion n'est pas top en ce moment, donc j'ai pas trop. C'est pas une bonne idée. Heureusement qu'il faut pas 30 minutes pour fabriquer une arme. Il fait référence à un autre jeu que je fais en ce moment, n'est-ce pas? Un autre jeu où on est souvent dans un garage et il faut très longtemps pour, de crafter la moindre pièce de tôle, peut-être. Mais encore est-ce qu'elle va nous rendre service et mourir? Si seulement. Moi, je veux bien mettre sa mort en scène. Hein, genre, je la mets sur Instagram et là, les likes, ils vont pleuvoir. Les zombies sont vachement plus flippants que ceux de Bel Air. Okay. I see where this is going. Oh, and you can totally use the bumper car's electricity to fry them, zombies. Les auto-tamponneuses. Ah, il y a peut-être moyen que nous éclate un petit peu. Très bien. Bah. Les auto-tamponneuses. Attends, bah ouais, je l'ai pas suivi cette quête. Bah, attends, ça va être dans le coin là. Ouais. C'est juste là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les autotamponneuses, ça. Mais ouais, c'est ça, c'est ces trucs-là. Ils sont bizarres, leur autotamponneuse. Pas exactement celle que je connais, moi. Non. Hop. Attention, tu vas te prendre un coup. Ah là là. On a beau les prévenir. Jamais ils sont prudents. Oh là. Oui, doucement, mon petit Jacob. Donc ça s'allume dans le coin, j'imagine. Une étoffe, ouais. C'est bizarre, ces zombies. C'est pas là le contrôle de... Ah si. I knew it. You're incorrigible. Clé de la cabine photo. Oh mais c'est qu'il y a du monde. Attends, bon, je vais quand même la choisir cette quête, je sais pas exactement quoi faire. Boss fait boom. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est Monarch Studio. Monarch Studio, j'ai des quêtes à Monarch Studio. Ok. Donc, utilisez les courants pour tuer les zombies en les électrocutant. Ok. Ok, ça marche. Elle est où la batterie? Doucement. Voilà. Bon bah ça devrait faire l'affaire là, c'est pas mal. Regarde, ils sont bien, on dirait qu'ils dansent. Donc, électricité statique. Ouais, la batterie c'est ça dure pas longtemps en fait. Peut-être que je dois retaper dessus. Ah oui, d'accord. On retape dessus et ça repartit pour un tour. Combien 6 seulement. Ouais mais les mecs, je peux pas les toucher moi avec mon arme là. Donc je vais tout gâcher. Elle est où la batterie? On nique la batterie. Plus de batterie. Attends, une petite barre de céréales, hop. Ça fait... Ah attends, d'accord, elle est revenue ici. Eh non. Oh. Oh c'est chiant ça. Ils auraient dû le prévoir quand même que tu puisses sauter par-dessus les obstacles en tenant un objet. Voilà. Elle aurait ça. Ouais, on est toujours à la fête foraine. On est bien ici. Oh, on s'amuse. Regarde comme ils s'amusent, comme des petits fous.
Alors par contre, ouais, c'est chiant. Ah bah voilà. Voilà. Parfait. Combien? 12 sur 16. Allez, sprinter. Maître sprinter. Ah, ah, ah. Combien? 13. Allez les gars, putain ils sont nombreux hein. 14, 17. Parfait. C'était taré, ça va, elle comprend, elle est contente. On peut s'arrêter ou... On se retrouve là-haut. Amanda s'est enfuie en courant, rattrapée là. Elle est allée vers la grande roue. Ah, elle va être chiante, Amanda. Elle va demander de faire des trucs encore, je pense. Attends, est-ce qu'ils m'ont filé des trucs ou pas? Oh, c'est quoi ça? Un râteau bleu. Des armes bleues. Comme si ça valait le coup de ramasser des armes bleues. Ok. Bon, bah allez, très bien, j'ai compris. Ouais, j'ai quand même usé quelques soins pour... pour faire ça. La grande roue, apparemment. On trouve Amanda près de la grande roue. Près de la grande roue. C'est-à-dire... Oh, elle va encore me demander de faire des trucs, elle, c'est sûr. Elle est en hauteur. Généralement, elle est en hauteur, cette meuf. Elle me prend de haut. Ah bah oui, voilà. Là, je vous l'avais dit. Bon. Qu'est-ce que tu vas me demander de faire encore? Salut, Games. Toujours chez les bourges de Beverly Hills? Ouais. Oh non, pas vraiment, en fait. Pas vraiment, non, 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 non. Non, là, c'est le fun. En vrai, je suis bien mieux ici. Je m'éclate bien mieux depuis qu'on est arrivé là que les petites résidences bourgeoises de Bel Air. Faites tomber quelques têtes de zombies. Je vais les décapiter, c'est tout? Ok, je sais faire. Je fais que ça. Bam. Ah, peut-être pas les décapiter en fait. Parce que lui, je l'ai eu en pleine tête, mais... je l'ai pas décapité, ça a marché. Allez. Mon arme, par contre, elle va pas tenir longtemps. Ah oui, faut vraiment les avoir en pleine tête. Sinon, ça marche pas, c'est pas compté. Ok, ça me va. Allez, bim! Oh putain! Il est protégé, lui. Ah, il va exploser! Attends, attends, attends. Voilà! Ah non, mais si vous avez mis des grenadiers dans le coin, là, comme vous voulez que je m'en sorte, moi? C'est vos têtes qui m'intéressent, pas vos membres. Attends, je vais quand même essayer de viser la tête plutôt que les explosifs. Et voilà, j'ai plus d'armes. Oh, un gros costaud! Oh, ça va être chiant, ça. Oh, deux gros costauds! Genre, je peux faire des shots, en fait. Genre, ça marche? Ouais, voilà, attends. 6 sur 12. Regardez comment ça a giclé. Oh, non. Ah, putain, puis j'ai plus de soin. Enfin, j'ai plus de soin. Il doit m'en rester, mais bon. Oh là là, mais Elle est redoutable, ces putains d'armes à clous. Allez, nouvelle carte de tueur déverrouillée, on va regarder ce que c'est ça. Entrer dans la danse, les zombies n'ont pas de chance. Entrer dans la danse, les zombies n'ont pas de chance. Glissade donne un bonus modéré d'agilité et de vitesse d'attaque. Je m'en fous, j'utilise pas glissade. Oups. Éloigner prudemment ma télécommande parce que ma télé commençait à m'afficher des choses bizarres. Avec mon pied, j'ai appuyé sur un bouton. Ça va, tout va bien. Combien? 8 sur 12. Oh, ça va, mais il faut être bien équipé, c'est bon, regarde. Blim! Elle est 9. Ah, attends, mais regarde, même les gros, avec cette petite dinguerie là. 9, toujours 9.
Comment ça, 9? J'ai décapité le gros. Allez, bon, bah, c'est pas grave, 10. Voilà. Y'a que des zombies. Attends. Ah! Y'a que des zombies décapités partout. Ah, puis évidemment, ils m'ont mis quelques-uns avec des casques. Non, c'est pas drôle. Attends, il me faut quoi, moi? Tiens, ça. Les headshots, là, ça doit être redoutable. Et ben voilà, 12 sur 12. Allez, maintenant, on tire dans la petite grenade. Oh, la réaction en chaîne que ça va faire, là. Allez, en plein boom. Oh, hein? Pourquoi tu te relèves, toi? Ben non, reste couché. Tu veux faire quoi, maintenant? Elle est encore partie en courant. Suivez Amanda jusqu'à la pieuvre cassée. Pieuvre cassée? Où elle est? Enfin, je me souviens l'avoir vue. Je pense qu'il faut que je passe la grande roue, mais... derrière, non? Bon, santé au maximum. Soupe de tortue 2. Pourquoi soupe de tortue? Ah oui, c'est les blindés. C'est les blindés, soupe de tortue, ça va, c'est justifié. Et c'est vrai que je récupère leur glande ou je sais pas quoi, là. Ils m'en ont pas beaucoup jauné, là, sur cette session. J'ai surtout récupéré des têtes. C'est pas possible d'avoir des kits de soins. Voilà, parfait. Des kits de soins... On va utiliser quand même quelques-uns. Elle est chiante, sa mission, Amanda. Le problème, c'est que... ça suffit pas de lui donner quelques têtes. Elle en veut toujours plus. Et elle va toujours plus loin pour te donner d'autres défis à faire, quoi. Chut. Alors. Dis que ça court vite, hein, ces petites saloperies. C'est là que je veux aller. Ah, la pieuvre! La pieuvre. Bon, après, on ira voir le chef Gusto. Hein. Printer en combinaison. Une variété bizarre, ça. Évidemment, il donne des produits chimiques. C'est dans sa nature. Bon. Il est cool, le fusil, en vrai. Hein. Tête de cheminée, parfait. Tête de zombie, parfait pour la cheminée. Tête de cheminée, j'ai dit. Hein. Oui, oui, j'avoue. Ça fait des beaux trophées. Mais je préfère voir ça que des têtes d'animaux, là. Je trouve ça hardcore, moi. Bon, alors, meuf. Bon, je vais leur faire quoi, maintenant, aux zombies? Mais tu peux handle this, bestie. Don't waste time knocking their gear off. Elle, en fait, un peu comme tout le monde dans ce jeu, elle s'en fout. Bah, vous savez, les zombies hors de la jetée. Ah, d'accord. Elle, en fait, elle s'en fout, mais complet de l'invasion zombie. Elle, ce qu'elle veut, c'est s'éclater. Oh, c'est Pamela Anderson! Et putain, elle se laisse pas faire, hein. On voit que c'est la vraie. Allez, hop. Bah, après tout, c'est sa place, hein. Je la mets dans l'eau, moi. C'est son... Ah, putain. C'est son élément naturel. Oh, oh. Oh. C'est vrai que maintenant j'ai ça. Maintenant quand je me soigne... Mais oh! Mais il décolle pas! Mais il décolle pas, c'est pas ma faute! Bon, j'espère que ça fera des likes. Et vous gérez. Voilà, j'ai un petit peu du mal pour t'inquiéter là par contre. Je t'avoue que... Je vais pas me donner des kits de sang des fois. Non, ça t'intéresse pas. Mais eux, je les... Voilà, eux, je les bute parce qu'ils sont en armure. Ça vole moins bien quand c'est en armure, tu sais. En fait, il faut respecter un petit peu le... Voilà. L'aérodynamisme, tu vois. Finalement, c'est scientifique, hein. Hop, ça part, les deux, là. Eh ben, il était déjà mort, donc ça a pas compté. J'ai dit rien, merci. Allez, les filles, on veut participer à la fête. Eh ben, allez, pas de problème.
Putain, j'en ai qu'un qui est rentré, quoi. Ah, mais non! Ah, mais voilà, elle, je pourrais jamais la faire tomber. Oh, combien, là? Oh, combien? Combien? C'est bon! 5! Ah! Oh! En fait, ce qui me manque pour ce défi, c'est... Oh putain, 10 sur 14. 10 sur 14, j'ai jamais été aussi bon. Ce qui me manque pour ce défi, c'est seulement du soin, hein. Oh là là! Combien, combien, combien? Ah non, tu fous le camp. Tu fous le camp, j'ai dit. Allez, arrête de gueuler. Allez, les 10 gaga, là, bordel. Ah, allez, en vrai, le design de ce zombie, il est trop cool. Avec ses rollers et tout. Je kiffe. Si j'ai un peu de temps, on l'analysera un petit peu. Enfin, si j'en laisse quelque chose d'à peu près analysable. Hein. Bon, j'essaye de courir pour... Ah, je peux me mettre en colère maximale, attends. J'essaye de courir, disais-je. Pour que ma vie, elle remonte. Mais attends, oui, on va faire ça. Je vais attendre que tout ce petit monde arrive. Alors, Brian, t'es en retard? Allez, hop, dans le petit bassin. Allez, hop. Voilà, alors là, est-ce que je... Si je... Oui. Non. Est-ce que ça compte, ça? Attends, allez, allez, mon coco. Très... Il m'en manque qu'un, putain. Il m'en manque qu'un. Allez, vole. Non, ça a pas compté, ça a pas compté. Elle est encore là, la meuf? La meuf en roller? Allez, oui, 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 oui. C'est bon? Oui, c'est bon! Massacrez-les, ouvrez la voie pour Amanda. Pour de bon, cette fois. Oh là là, mais merci, mais quel plaisir. Tiens. Non! J'y pensais pas que... Attends. Allez, allez. Regarde, réaction en chaîne. Oh, peut-être réaction en chaîne avec celui qui est derrière. Non, ça a pas marché. Ah, quel dommage. Oula! Quelle madame. Hop, chair infectée. Hop, ok, pas de problème. Ouais, mais c'est que vous... Mais arrêtez. Arrêtez, il y a trop de monde là. Allez, allez, ça explose, ça saute, ça saute. Bim, bim. Ça, c'est une réaction en chaîne. Ça, c'est une magnifique réaction en chaîne. Regardez, elle est là. Oh, elle est trop cool. Elle. Oh non, mais je veux pas mourir. Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Pas sûr que c'est sauvegardé. Non, ça n'a probablement pas sauvegardé d'ailleurs. Oh, tot. Hop là. Ah, lui, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Bon, bah allez, hein. Allez. Elle est moins bien que ma batte, en fait, cette arme-là. L'attaque chargée, elle est cool, hein, mais... hop, elle est moins rapide à utiliser. Bon. Allez, le soldat Ryan, bim. Elle m'en a envoyé d'autres, c'est ça? Ouais, faudra la buter quand même, parce qu'elle est chiante. C'est bon? Je pense que c'est bon. Elle est où? Ah, ça... Attends. Je crois que j'en ai rien laissé, malheureusement. Oh non, je voulais trop l'analyser. Bon, on en reverra peut-être. Oh, mais par contre, elle m'a donné masse de glandes. Vous avez liké et suivi. Maintenant, lâchez un commentaire pour Amanda. Vous avez compris? Et à bientôt pour la prochaine vidéo! Hop. Hop. Oh, nouvelle carte déverrouillée? Tiens. Une carte comme ça sur un zombie basique, c'est quoi? Et plop, en colère sanguinaire, les zombies tués explosent! Oh, trop bien, trop. Ah non, mais ça, c'est bien. Ouais, bah oui, tu... Voilà, allez, hop, je prends. Je prends. La colère sanguinaire, en vrai, elle peut bien sauver la vie. Si en plus, ils s'explosent entre eux, ça peut être intéressant. Elle s'est barrée, du coup? Ok,
Attends, on va aller la voir. J'imagine que du coup, Amanda, elle va se diriger là où il y a les autres survivants. Au crabe croustillant où... Ou là où il y a les médecins, là, dans le centre commercial. Ça a l'air d'être plus son truc, tu vois. Le centre commercial, le luxe. Le petit sol qui brille, tu vois. Oh, mais c'est pas du tout... Ah, je veux pas juger, hein, mais... Elle a la gueule de ça, quoi. Bon, Amanda, elle était chiante, ta mission, par contre. Yes, baby. Sorta. Okay, so maybe I drag things out a little, with you providing the kind of content that could keep us trending for years. Oh, Amanda. Amanda, ton pouce en l'air, tu sais où tu veux le carré. C'est pas un pouce bleu, c'est un pouce marron maintenant. And in the next video, et pour ma prochaine vidéo, je vous promets de vous consulter d'abord. T'es sûr? You are starting to take the fucking piss. Ah, même lui, il en a marre, hein, Jacob. Pourtant, Jacob est une personne très patiente et mesurée. On le sait tous. Vous n'avez pas d'ambition ou pas? Ouais, ouais. But if we're going to beat all those other channels to a Squirm Lifetime Award bestie, we're gonna need some fucking cojones. Follow through, commitment, yeah? Mode électrocuteur à distance rare. Commence à avoir des modes rares, c'est vraiment cool. Oh là, il se passe quoi là? Ah, elle s'est barrée, il y a tout d'un coup, il y a tout le monde qui est venu vers moi. Genre, elle les a appelés, c'est... Allez! Je pense qu'il y a une caméra qui me filme encore. Elle en a pas eu pour son argent. Donc, ouais, parce qu'elle est bien, elle a dit, ouais, t'as pas de coronet, tout ça, mais est-ce que l'argent d'Instagram, je vais l'avoir, moi? Hein? Bouteille à la mer. Le chef, voilà, on va aller voir le chef. Ça, c'est tout Monarch Studio, hein. Ouais. On les fera, bien sûr. Je vais faire le maximum de quêtes. Voir toutes, si c'est possible. Je sais pas si on peut manquer des quêtes, j'espère pas. Mais les quêtes sont... Même les quêtes secondaires, je les trouve... Bah là, ça, c'était une quête secondaire et je les trouve fun, en fait. Donc J'ai pas envie d'en manquer. Comment on fait pour se barrer d'ici? Oui. Ah oui, c'est là. Alors, le chef Gusto, où est-ce que tu es? J'ai pas compris où est-ce qu'il était, lui. Que sur la carte, on le voit, mais il y a rien, cet endroit-là. Il est peut-être dessous, putain. Il est peut-être dessous, en fait. Il y a quelque chose sous l'acheté. Là, voilà. Il est soi-disant dans un restaurant, non? Ah bah attends, si c'est là en fait. J'avais pas vu ça tout à l'heure. Et pop. Comment on y va? Je pense pas, hein. Je pense pas qu'il faut passer par les arcades pour le rejoindre, lui. Ça donne quoi ici, là? Ouais, quoique, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Not a sausage. Arrête de parler de saucisse, c'est bizarre. Hop là. Voilà. Ouais, mais j'y vais comment, moi, là-bas? C'est quoi, ça? Bah, c'est bizarre parce qu'en fait, pas d'accès en fait. On va faire le tour. La petite douche était gratuite. Hein. Ah, c'était par là.
Alors, ce que lui, madame? Là, je peux grimper ou pas? Non, là, je peux pas. Mais j'y vais comment, là, voir le chef? Si ça me arrivait en vrai, des zombies partout, je pense que je serais une des premières personnes à crever. Moi, je le verrais pas, hein. Je suis toujours enfermé chez moi, qu'est-ce que tu... Je serais là, genre... L'apocalypse zombie? Depuis 6 mois? Non. Mais genre, c'est grave, tu sais, tu regardes dehors vite fait, tu vois, t'en vois partout, tu fais... Ouais, d'accord. Non, je m'étais pas rendu compte. Alors, bucket au fiche, mais c'est là le bucket. On met sa casquette de Sherlock, mais c'est pas du tout là où on me disait. C'est là le bucket. Hello. La clé, le fond du bucket au fiche pour trouver le critique arrogant. Oh non, on prend pas sans réservation. Non, pas ce soir. Ah, puis surtout pas vous, hein. Faut venir bien habillé ici. Oh. Allez hop, on dégage. On reviendrait demain. Dommage que je puisse pas fermer les portes quand même. Bon, voilà. J'ai enfin trouvé le bucket office. Alors, ce qui est pas du tout. On peut voir. Bah, c'est pas du tout là où on me disait d'aller, mais bon. Je sais pas. Je sais pas comment j'étais censé venir ici. Bonjour, madame. De la façon dont eux me l'indiquaient, mais allez, c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'on y est. Oh, regardez, j'ai le même panier quand je vais au kebab. Ouais, ils me donnent des petits paniers comme ça, ils mettent des frites et kebab dedans. Ça fait plaisir à tout le monde. Alors, oh, le critique, il a... Rotten fish. Il a piégé l'endroit. Il est pas con. Par contre, ça marche pas, hein. ça marche bien sur moi, généralement. Alors, moi, par contre, quand c'est moi qui passe, et que je me mange le fusil chargé, là, ouais, les dégâts, ils sont là, hein. Bon, à tous les coups, il est mort, de toute façon, ce trou de balle, là. Voilà. Ouais, par contre, il a des pièges pas dégueulasses. D'accord. Où est-ce que j'ai mis l'eau? Personne là-haut? Ah, ok. En vrai, c'est cool. C'est pas vraiment dans ce genre de jeu que j'attendais une gestion aussi bonne des éléments, tu vois, entre eux. Genre le feu... Le feu brûle la matière, mais... Il est éteint par l'eau. L'électricité prend le dessus sur l'eau. C'est super cool. Alors je pense que oui, je l'ai dit, hein, ça doit être... Les gars ont joué à Bioshock, ils ont aimé, et voilà. Pourquoi tu te mets en garde... Y a personne ici. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est trop bien ce jeu. C'est cool ce putain de chef, hein. Je suis sûr qu'en plus, ça va être un connard arrogant, là. Ça marche si je fais ça. Genre, j'ai fait couler ailleurs. Ah, mais attends, mais je vais prendre le jeu. Ah non, ça va. Non, ça marche pas. Attends, j'ai dévié l'eau. Ça marche peut-être un peu. Non, ça marche pas du tout. Oh, le petit fusil. Électrisé. Ouais, je sais. Ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête par intermittence. Hip là, voilà. Alors, avis
Bucket of Fish, une étoile. Ah non, mais en vrai, ça, c'est le casse-couille de Ratatouille. Hein. C'est typiquement ce genre de gars qui a eu une enfance malheureuse et du coup, il se venge sur les restos. Hors des questions d'endurer une seconde de plus au Bucket of Fish. Les placards déjà peu reluisants ont définitivement lâché la patate. Bizarre comme formule. À l'instar des anciens employés, les aliments dont la fraîcheur était déjà contestable ont commencé à pourrir. Ah ben aujourd'hui c'est vrai. Ainsi, si l'on peut dire que, mais si ça se trouve, il a fait ses reviews après l'invasion zombie, donc ça explique des choses, tu vois. Il est arrivé, il y avait un truc qui était là depuis 2 semaines. C'est du bras, ok, je prends. Ainsi, si l'on peut dire que le menu du Bucket of Fish propose enfin une certaine saveur, elle n'est pas du genre propre à la consommation. Les murs sont fissurés par les secousses à répétition, et aujourd'hui, la cave à vin, jadis seule bouée de sauvetage de l'établissement, est vide. Même les familles de rats qui vivaient là depuis longtemps ont quitté le navire. Ah, oh, mais quel fils de pute. J'abaisse donc ce pauvre boui-boui à une étoile, une note sévère mais juste, et qui pourrait être encore pire si la révulsion qui m'inspire ne m'avait pas au moins motivé à prendre la plume pour me distraire de la faim qui me ronge. Ça ne peut pas être le dernier refuge. Impossible, j'ai écumé les tables jusqu'au plus minuscule établissement à 30 km à la ronde. Je les connais comme personne, et en fait, je sais peut-être où aller. Le grill est médiocre, et le mobilier d'extérieur était déjà ringard il y a 10 ans, mais l'armée avait installé un héliport juste devant l'entrée. Quand les secours descendront du ciel, je serai là pour accueillir les pilotes, la panse bien remplie. Me frayer un chemin à travers les hordes de cadavres ambulants, avides de ma chair, sera loin d'être sans danger. Mais face à la perspective de lentement dépérir, et en plus au Bucket of Fish, le risque est acceptable et pour tout dire inévitable. Donc il a réellement fait sa review du restaurant après l'invasion zombie. Ah, ouais, j'ai compris qu'il était plus là. Fils d'up, il a tout piégé. Moi, je suis là dans la merde avec mon électricité, là. Ça existe vraiment des gens aussi détestables? Ouais, en vrai, oui. Le milieu des critiques, c'est de la merde. On est sous le... Ouais, j'avais pas tort, en fait. On est sous le parc d'attractions, en réalité. Ah, le bruit était un peu... C'est scary. La critique, utiliser la vie qu'il a publiée pour le pister. Sinon, on laisse le mourir. Attends, la vie, il est où? Comment ça, utiliser l'avis qu'il a publié pour le pister, je comprends pas, vous attendez quoi? Ah! Un hélico craché. Que c'est un bon signe. Attends, mais c'est ça le grill en fait. Voilà, Pierre Grill. Tu peux rentrer là-dedans? Fouiller le Pierre Grill à la recherche du critique cruilien. D'accord, faut juste pas suivre en fait les marqueurs bêtement. Il va mourir lui. Mais se rendre dans les endroits logiques. Ah, il y a un gros. Il y a un gros costaud. Laissez-moi partir. Hop là. Voilà. Oh, c'était pas mal. Bon, comment on rentre dans ce bordel? Non, non, c'est pas le moment! Bon, c'est bon, il en reste pas grand chose. Allez hop, dans la tête. Parfait.
Alors, Pierre Grillo. Alors moi déjà, je devais donner une critique. Je dirais que le mobilier extérieur ne peut pas si ringard que ça. Hein. Vraiment un trou de balle ce putain de critique là. Là comment on y va? Là on rentre pas. Là où on peut pas y aller. Truc que j'ai pas vu. Oh c'est quoi ça? Oh deux étoiles. J'allais juste voir ça. Putain je l'avais vraiment pas vu. Ouais c'est barré. Le Pierre Grill est aussi pitoyable que son nom est trivial et idiot. Juste mauvais. Il se donne le nom de Grill, mais la plupart des plats font un tour de... Bon, on s'en fout. Alors, chercher à manger frais était une erreur. Me forcer de rester fidèle à ma déontologie, mes principes. Il sait pas écrire déontologie. Et c'était une erreur. On oublie les triples réductions et les écrasés de céleri. Je veux du gras, du gros, du suintant et surtout, je le veux vite. Le genre de viande dont personne ne sait d'où elle vient. Ça devient bizarre. Ça va m'obliger à quitter la promenade. Et c'est un truc auquel je ne donnerais même pas le nom de nourriture normalement. Mais rats, ça nourrit et ça pourrit pas. Je préfère encore bouffer dans la poubelle que goûter aux fruits de mer frais de cette horrible plage. Seigneur, il me faut à manger. Il est en train de péter un plomb, Anthony. Il est où? Fine dining. Retrouver la culinaire arrogant grâce à la vie qu'il a laissée sur Pierre Grill. Alors là, je comprends pas. Quoi? Attends, quoi? Il a pas les... Enfin... Putain, merde, hein? Il y a pas d'indice, là. Du gros, du gras, du suintant et surtout, je le veux vite. Genre de viande dont personne ne sait d'où elle vient. Il faut qu'on cherche un autre resto, moi c'est tout ce que je sais. On va aller dans la zone où... juste en face, que j'ai pas bien fouillé avant. Voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il veut dire par du gros, du gras, du suintant? Il veut bouffer où ce con? Qu'est-ce quoi là? Il a dit qu'il voulait quitter la promenade. Alors, hors de la promenade, du coup, c'est peut-être par là, en fait. Ah, oh, putain, c'est là. C'est ça qu'il voulait? C'est du hot dog? Is that scoffing I hear? On dirait quelqu'un qui s'empiffre. Des critiques culinaires, ça? Ah, mais j'ai plus d'armes. Oh, mais donnez-moi un atelier. Il n'y a pas un atelier par là, là, s'il vous plaît? Il y en a un là-dedans, on dirait. J'ai pas une petite batterie dans le coin, là, pour m'aider. Déjà, attends... Ici, hop. Petite batterie, ce serait bien. Ou alors un petit générateur. Ça s'ouvre ça? Oui, ça s'ouvre ça. Voilà, bon, je suis tranquille, hein. Je pense que... J'aurais pas dire de mal, mais à mon avis... il rentrera pas. Comment il s'appelle Anthony. Ce cher Anthony. Un cher journal, j'ai pas fait... D'accord, bon, il y a des gens qui ont posé leurs pensées sur papier, et oui, c'était le moment. Ça va les mecs? Allez hop. Je suis malheureux, moi, si j'ai pas d'électricité. Jamais de batterie quand on a besoin. Alors que techniquement, là, toutes les bagnoles qui sont dans le coin, elles en ont, hein. Je peux le faire, je le fais avec une étoile, mais c'est pas durable. Colère sanguinaire prête. Ben voilà, ça c'est quelque chose que je voulais entendre. Que je voulais voir, hein. Oui. Entre nous, j'ai pas entendu grand chose. Ça marche bien la colère sanguinaire. Voilà, nouvelle carte déverrouillée. Nouvelle carte. Qu'est-ce que c'est encore? Compétence, mais c'est de l'autophage. C'est une relation toxique. En colère sanguinaire, les attaques au corps à corps infligent liquéfier aux zombies, mais dépensent plus de colère sanguinaire. Ah non, mais ça c'est chiant. Les colères sanguinaires, elles durent déjà pas assez de temps, je trouve. Alors j'ai pas envie de faire en sorte que...
elle dure encore moins de temps. Et surtout que ce truc d'autophage là, je suis toujours pas sûr que ce soit une bonne chose. Hein. Moi, ce que j'arrive à comprendre hein, en lisant ce truc là, c'est que Jacob sacrifie un petit peu son humanité. Oh, pistolet à clou, cool. Jacob sacrifie son humanité au profit du zombie, quoi. Bon, avis. Cabin Out Dogs. Ah, il commence à péter un câble là. Déjà, oui. 12 étoiles. 42 étoiles. Parfait. Comme quoi, tu peux être zombie et avoir une petite carrière. Hein. Tu peux ouvrir un petit blog et avoir une petite réputation quand même. Ça se voit, il avait des fans, lui. Manger, viande. Bah écoutez, c'est une très très bonne critique. Je pense que du coup, j'irai manger du hot dog. Quoi ça? Très bien. J'avais encore une quête secondaire à faire. Une personne disparue. J'étais, je crois, sur une plage. Ah bah c'est ça en fait. Ah mais c'est des quêtes de disparition. C'est des quêtes en fait. C'est des quêtes encore particulières celles-ci. Quête active de type objet trouvé. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Où est Laura dans cet enfer de LA? Alors c'est à Venice Beach. Donc c'est la zone précédente en fait. Bon, on va peut-être rendre la quête. Et après on ira peut-être voir. Off. Non. Ok. On dirait le message dans le premier Resident Evil avec le mec qui écrit qu'il devient fou. Ah oui! La fameuse séquence traumatisante du placard, c'est ça? Si je me souviens bien, c'est à ce moment-là. Ah, n'empêche, quand tu trouves ce genre de message, ça te met dans l'ambiance. Hein. C'est-à-dire, je me rappelle que moi, j'étais là, je... Quand tu lis la note, le mec qui explique un petit peu où il en est, et que tu le vois de plus en plus dérivé dans la folie. C'est horrible. Attends, mais pourquoi ils veulent que je rentre là-dedans? Ouais. Tu sais, en fait, tu essayes de t'imaginer la situation, et ouais, c'est... C'est flippant, et Et pile à ce moment-là, t'as un zombie qui sort du placard derrière toi. Peut-être t'étais déjà pas tranquille avec une petite larme et un petit peu de sueur probablement. Faut que j'aille là? Ouais, rebonjour. Ah, d'accord. Mais ça, c'est vraiment... Il y a vraiment des cartes de voyage rapide en fait, alors. Mais ça, j'ai ignoré. Et on retourne à Ocean Avenue. À l'hôtel Serling. Ok. Ce message est le meilleur du jeu. Ouais, probablement. En vrai, c'est celui qui... Parce que du coup, on a peu de messages de... Enfin, on a énormément de messages, hein, dans Resident Evil, de personnes qui étaient dans les lieux où on se trouve, qui rapportent des situations. Mais en réalité, de messages par rapport à une personne contaminée et qui commence vraiment à devenir folle, non, il n'y en a pas. Et du coup, c'est intéressant, en vrai. Et puis ce message, il avait été même super bien traduit, parce que je me souviens d'un... je commence à avoir mal, j'ai une boule sur le cou, je sais plus trop où, ça me fait mal et tout ça, je sais pas ce qui m'arrive, et puis au bout d'un moment tu te rends compte qu'en fait il s'est gratté, ce morceau, cette boule est tombée, et il l'a bouffé, il a dit c'est pas mal en fait. Voilà, tu vois, tu commences vraiment à péter un plomb. C'est quoi ça? Oh, une disparition encore. Je sais pas ce que c'est que ces quêtes de disparition. Lola, be reasonable. I'm back. Hey, you. What? Hey, let me see. Oh, c'est la meuf. C'est la meuf. Mais c'est la meuf. Don't be rude, Reuben. You should rest. No, I'm good, thanks. Sit down. Reuben and I were just reminiscing. Nice.
do continue. Conrad and I did some research together. Reuben, it was a little more than that. I was his oracle, his Pythia. So, how have you been? You look different. You tried to kill me. Is that what I did? Conrad! Or did I do something else? Lola, you promised you wouldn't interfere. No, Reuben. We promised that we wouldn't interfere. Uh-huh. You've already galloped across that Rubicon. There is too much... Hey, Doc, where the fuck... Oh. Wait. Who the fuck... Hey, hey, not now, Jimmy. No, we fucking agreed. The whole group gets a say on newcomers. Don't worry, Mr... Montana. Jimmy Montana. Yeah, you probably see me on TV. Fabulous. Mr. Montana. Well, I was just about to leave anyway. But I must just drop in on Tisha before I go. You can't see her. Oh, Reuben. Yeah, well, no one gets to see her. What? She ain't here. What do you mean? Well, she went out looking for food with a little gang of hers. They're overdue. I always told you, Reuben, the tighter the leash, the harder they pull. Get out! I'll see you down the line. Later, Jimmy. Ouais, et puis mets des chaussures, hein. Why'd you let her go? Hey, she ain't my kid. Oh, if I was in Jimmy, charge... Listen, yeah, fucking whatever! Teacher, all right? Look, Rubes, there's something in me. Oh, please! We need... No, I need her back safe, all right? Now, look... It's gonna take time to analyze your blood to get answers, right? Now, Tisha doesn't have time, all right? Tisha doesn't have time. Okay. Okay. Thanks. Thanks. Ouais, gros nez rouge. Pas très gentil. Oh, encore une carte. Et bah ça en fait l'XP, c'est cool. Attends, compétences. Carte. La carte. Ah, c'est là, en haut à gauche. Toucher à la tête avec un lancer d'armes déclenche une puissante explosion. Aïe ! Oh, c'est un peu cool ça, non ? Une puissante explosion, ils disent, hein, c'est pas une explosion. Une puissante... Serait pas un peu fétichiste, mutiler un zombie rend de la santé ? Ouais, ça c'est bien. Je prends mutiler un zombie, donne un bonus de vitesse d'attaque. Ça c'est cool aussi. Parce qu'on l'a vu quand j'ai mes armes. Ça c'est redoutable. Ah oui, du coup, je sais pas quoi faire. Les plops en colère sanguinaire, les zombies tués explosent avec force. Ouais, bah ça je l'ai pas vérifié. Hein. Quand j'étais en colère sanguinaire, j'en ai vu aucun exploser. Donc je vais plutôt faire ça. On va tester. On va lancer des armes. J'ai gratté. Et un bout de chair putride est tombé sur le sol. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Putain, il est trop fort, le mec. Il l'a retenu, quoi. Mais oui, c'est exactement ça. Alors là, tu imagines Manu, genre environ 8 ans à ce moment-là. Il dit ça, c'est genre... voilà. Il y a la scène qui arrive après. Je me suis chié dessus d'une force. Dire, c'est pas pour rien qu'en fait, ce jeu-là... J'avais envie d'y jouer, hein. J'avais envie de le terminer, mais... J'en étais incapable et au bout d'un moment, je demandais à mon frère d'y jouer avec moi. Bon, retrouver Tricia. Ouais, j'en ai des personnes à retrouver. Rosa ! Voilà. Alors, le moment où les hunters sont arrivés, c'est bon. J'ai lâché la manette, j'ai plus jamais retouché. Moi, j'ai retouché plus, j'ai demandé à mon frère de le faire à ma place. Et voilà, j'étais genre caché derrière le canapé, mode comme ça. Avec un œil qui dépassait. Mon frère, il jouait et puis voilà, lui, il s'éclatait, il aimait bien. Ah là là! Elle m'inspire pas confiance cette meuf. Bah, c'est la même meuf qui m'avait fait tomber dans une fosse à zombies. Alors bon, même si j'ai découvert à ce moment-là que j'avais des pouvoirs. Et bah alors, on a des petits piétiches comme ça? Allez, aboie! Fais la truie! Luther! On joue à cache-cache? Bah, c'est à toi que je devrais poser la question, hein. Oula, t'es bizarre, toi. Je viens te chercher, attention.
what you are. I know what you are. That makes one of us. Name's Jacob. Heard you need some help. T'avais peur de Resident Evil? Mais j'en étais terrifié. Mais tous les gamins sont terrifiés de ça. You're here to steal just like her. Next thing you'll say is that I can trust. Oh, et aujourd'hui, par contre, ça a fait de moi quelqu'un qui peut jouer à tous les sorts. Enfin, voilà, tu vas toujours me faire peur avec des screamers, normal. Mais je joue avec les jeux d'horreur sans aucun problème, tu vois. Je sais reconnaître une ambiance angoissante, mais ça va, je le reprends tous les jours. Hey, calm your wobble. I'll help. What's your name? Luther. Cool name. Look, I'll have a chat with Denise. Sort this out, yeah? No, she wants that. She wants you to talk. Then she'll steal your teeth. Oh, il est bizarre, lui, hein. You won't even get a nickel. I'm not like her. My buddy Byron, he'll see you right. Tu cherchais quoi sous le lit? You stay put. Un coup de main. Et où? Questionner Denise sur le sac disparu de Luther. Mais Luther, il pète un câble. Qu'est-ce que tu veux, lui? À mon avis, il fait des histoires, lui. Bon, Denise. Yeah, what? I just ran into a lovely... Un charmant voisin. No, you ran into a mess call. Il est coincé sur lecture aléatoire. Ah, c'est trop bien, je la ressortirai. Il est coincé sur lecture aléatoire, c'est trop fort. Even Ken were bitching so bad. Il puait la mort son sac, putain, mais qu'est-ce qu'il avait dans son sac, lui? Stinky bag. What was making the stink? I do not want to know. Couldn't get near it without gagging. I just tossed it down the trash chute. Je balançais dans le vide d'ordure, ok. I'm gonna track this bag down, see what we can do. Whatever, go knock yourself out. But if he doesn't calm down, he's going down the chute. C'est lui qui va passer par le vide d'ordure, franchement, je suis d'accord avec toi. Carte du stockage des déchets. Ah bah merci. Fouiller les poubelles. Ah bah merci. De quoi? Ça me fait regretter de ne pas l'avoir eu en étant petite. Ouais, en vrai, oui. Parce que même si j'étais terrifié, ça a construit un petit peu mes goûts aujourd'hui, quoi. Et par contre, comme l'a dit juste avant Xenocide, quand Resident Evil 2 est sorti, je l'ai acheté Day One. La copie que j'ai là maintenant, Resident Evil 2, est celle que j'avais achetée quand j'étais gamin, quoi. Du coup, oui, je... Malgré le fait que j'étais pas rassuré, ça avait créé... Bon, je suis pas suivi. Ça avait créé la dépendance, en fait, à ce genre. Ok, c'est bon. De rangement... Il est ouvert bizarrement la porte. Par contre, après Resident Evil 2, je l'avais pas apprécié moi. J'avais du mal avec le fait que le scénario n'était pas logique. Hein, ceux qui y ont joué, vous le savez, et même ceux qui ont joué au remake, parce qu'il y a la même. Le même scénar un peu illogique, c'est-à-dire, t'es censé jouer un personnage, puis l'autre, et les deux histoires sont censées se compléter, mais en fait, ça marche pas. Il y a des actions que tu fais en double, ça marche pas. Et moi, ça m'avait dérangé. Je n'ai pas tellement aimé que ça. Par contre, quand j'ai joué au 3, la passion est revenue. Hein. Resident Evil 3, lui, je l'ai ultra kiffé. Genre, j'ai vu le Nemesis la première fois, je savais qu'un amour était né à ce moment-là. Pas logique dans le sens, les deux persos se complètent. Oui, bah oui. Weeks worth of trash. Ah, la benne ordure. Si t'essayes de rendre ça cohérent, tu te rends compte qu'en fait, ça marche pas. Bon, j'ai plus d'exemple là maintenant. Ouais. Ouais, moi non plus, j'ai pas trouvé ça top. Ouais, j'avais été un peu déçu par ça en fait. Et... Même globalement, j'avais pas aimé l'ambiance, ce qui fait que quand ils ont annoncé le remake du 2, c'est pas quelque chose que moi j'attendais particulièrement. Sans dire que je m'en foutais, hein, évidemment. Plus ça passait, plus je voyais l'ambiance, plus je me disais non, il va être génial ce jeu. Garderie, c'est de quoi?
Ramène-toi à Lotusville, Fissa, c'est les soldes, nanana. Ouais, ok, ok. Voilà les petits cafards. Alors, un sac qui pue. If you're watching now, Mom, this is a temp- si tu me regardes, maman, sache que ce changement d'orientation est temporaire. Mais on le sait, Jacob, t'es une personne bien, toi. Nothing. T'es pas un schlag, on le sait. Que des détritus. Bah, tant mieux, remarque. On est censé se retrouver là-dedans, hein. Alors, wow, il y a du sang comme ça ici. Ah, tiens. Allez, hop. Désolé de déranger votre repas. Pareil pour vous. Ouais, mais j'ai un boulot à faire, hein. Vous êtes morte, vous? Ouais, ok. Trousse de soins. Ok. Le 3 avec le gros dégueulasse qui tue partout. J'ai été fasciné. J'ai été fasciné par le Nemesis. Je trouvais même son design tellement cool. Ben arrangé. En plus, je crois que c'était la période où sortait Code Veronica et moi j'étais. J'étais. Voilà, la série m'avait déçu avec le 2. Code Veronica sortait pas sur ma console à ce moment-là, parce que c'était une exclue Dreamcast, oui. Du coup, j'avais le seum. Du coup, ouais, j'étais fâché avec la série. Hein. Il y a le 3 qui a réussi vraiment à me rabibocher avec. Ah, je dois passer par là-haut, ok. Chiant cette quête, là. Je me demandais de passer dans les poubelles. Ah, contaminé tranchant. Attention, ça va trancher. Bam. Sac puant. Ah bah c'est bon, je l'ai. Ah, ça attire les zombies. Hey, wait a minute. Parfait. Waouh, ouais, on le sait, hein. Il y a un truc mort là-dedans. De toute façon, on le sait, on le savait depuis le début. Eh bien. Allez bien. Bah, faut te bouger aussi, hein. Oh, mais c'est un contaminé à nuée. Il bouge pas, eux, il te laisse... Allez, attrapez-le. Attrapez-le, il est à vous. Je les attire pas, ce qu'il raconte. Ah si, ça les attire un peu. Allez, pouic. Hop, larve d'insecte. Ah si, ça les attire. Hein. Ça les attire. Je dois passer par là. Hop, pardon, madame. Hop, mesdames, je voulais dire. Qu'est-ce que... Ok. Ok, c'est génial. Attends. Ah putain, il a... Je peux même pas me soigner. Je peux même pas me soigner. Non, non, c'est pas pour vous. Ah, c'est ça que ça fait d'être un livreur. Ah non, pas vous. Ah non, pas vous, me gueulez. Mais arrêtez de crier. Arrêtez de crier, c'est pas nécessaire. Oh. C'est bon. Merde. Il est retombé dessus à la bouffonne. Hop là. C'est bon. Ah, ça fait des traces de sang quand on le jette. Bon, là, je suis tranquille. Tu veux voir? Ah oui. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense pas que ce soit une réserve de groseille, hein, qui est là-dedans. Ou alors qu'il a embarqué ses derniers pots de ketchup. Ça fait un... Oh, putain, déjà que le mec est un peu bizarre. Alors le fait qu'il recherche un sac avec des... avec quelque chose d'ensanglanté, c'est... Et puis après Code Verrou, il y avait Outbreak. C'était bien Outbreak. Alors moi je le répéterai toujours, mais quelle chance j'ai eu de pouvoir jouer en ligne à ce moment-là avec des potes et tout. Ouais, bah tiens, voilà ton sac qui pue. One stinky bag. You actually... You did it? Thank you. This is Byron. You guys met? Not face to face, no. Byron's a hell of a guy, eh? You know, he's...
He's always got your back. You could take on anything, you know? Best goddamn friend I ever had. Thanks for bringing him back. Il est où le vide d'ordure? Il est où le vide d'ordure? Yeah. All right, man. Oh, I'll give you some privacy. Genre, je vais vous laisser discuter. Hold on, your reward. Delightful. As promised. Je vais donner. Our heartfelt thanks. Attends, si ça se trouve, la récompense, elle vaut le coup, hein. Bring it in, man. Hérocité. Tuer un zombie génère plus de colère sanguinaire. Et c'est pas de la merde, c'est pas de la merde. Les masses sont composites. Vous voyez qu'il fait des choses sexuelles avec ? C'est bien de faire le ménage quand t'as une main qui pue la mort juste à côté. Ouais, ouais, ouais. Ok. Retrouver Tisha. Elle est où Tisha? Que je sache quel quête faire. Bag in one piece. Ok, je dois aller où ? À l'extérieur en tout cas, Bel Air, les égouts. Bon, c'est dans la même zone apparemment. En tout cas, les recherches commencent dans la même zone. Bon, non, non, je vais pas m'occuper de vous. Je vais pas m'occuper de vous, je me casse. On n'a pas trop exploré les rues en fait, ici. Là. On était directement vers la plage et tout. Les rues, pas trop. Et là ? Gallo, ouais, c'est là. En fait, quand il y a des points d'intérêt comme ça, j'imagine qu'on peut rentrer. Genre le Giallo, là. Genre Giallo, juste comme ça. C'est pas... Alors, je pense que des personnes renseignées comme Xenocide, par exemple, sauront, mais... C'est pas un genre de film de zombies, genre italien ? Ils appellent pas ça le Giallo, déjà ? Tue l'amour. Musique romantique, bruit de couvert, bébé, ça fait 5 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Je sais que tu m'as déjà dit non 3 fois, je sais. Mais je vais le regretter si je ne le fais pas maintenant. Alors, j'ai quelque chose d'important à te demander. Veux-tu m'épouser? Toi qui es l'amour de ma vie. Feulement de zombies. Est-ce que ça va, ma chérie? Craquement, grognement, qu'est-ce qui se passe? Cri, mastication, rugissement de zombies. Ça veut dire non. Ah mais attends, c'est un enregistrement, trop cool. Today's our 5-year anniversary. I know you said no to me 3 times. I know. But I'll regret this if I don't do it now. So I have something important to ask you. Will you marry me, love of my life? Elle s'est pas rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre en fait. Oh, chérie, je sais que tu t'es pas lavé, mais quand même. Oh, trousse de soins, cool. Ok, bah je voulais écouter ça tranquillement dans mon coin. Est-ce que c'est légal qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est légal les mariages avec les zombies?
genre, si vous vous aimiez avant, et que vous pouvez pas vous aimer même après la mort, bah c'est pas ça normalement le mariage. Est-ce que c'est socialement acceptable de très bientôt de quitter quelqu'un parce que c'est devenu un zombie? C'est la même personne après tout. L'enfer des zombies de Lucio Fulci. Ouais, je connais aussi. Mais il me semble que le giallo, c'est un genre de film et c'est très lié aux zombies, il me semble. À vérifier du coup, mais en tout cas, ça me dit quelque chose. Et ce serait pas étonnant en fait que voilà, dans ce jeu-là, ils aient fait une petite référence à ça, quoi. Alors, moi c'est là-bas que je dois aller. Oh, un B-Cup Coffee. Here we are, the Bean Cup. Now what? Oh bonjour. Qu'est-ce qu'il fait là, toi? C'est quoi? Hop. Ça, c'est pas le cul. Il m'a donné une arme rouge. On va regarder ça. Matraque. Bon, je prends un. C'est toujours intéressant. Je suis pas sûr de l'utiliser parce que, en général, j'aime bien les armes qui ont un petit peu de portée quand même. Matraque, c'est un peu de la merde. Tiens, c'est une flèche, hein. Ah, il y a une flèche. Ah bah, c'est Trisha. Mais oui, bien sûr, elle avait une arbalète. Donc c'est pas une flèche, c'est un carreau. Les lasses de trèfle qui piquent mon cœur. Allez, bim! Je savais que le petit chat... Ça fait bizarre de dire Tisha. C'est petit chat. Ça fait un peu mignon. Je savais que Tisha aurait son importance parce qu'on l'avait vu. Genre meuf forte. Avec une arbalète et tout. Un design plutôt réussi. Enfin, qui a été plutôt. En plus, regarde, elle lance des flèches qui font de la lumière. C'est trop cool. Un design qui a été réfléchi, disons. C'était évident qu'elle allait avoir de l'importance. Alors. Bonjour, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, la résidence à la recherche de Tisha. J'ai l'impression que Tisha, elle va finir comme le motard de, du premier restaurant. Là, quand on est arrivé, il s'est explosé la tête. Alors que moi, je pensais que ça allait être un mec qui allait donner des quêtes et tout ça. Mais non, non, non. John est tellement bête que quand ils ont dit qu'il y avait des zombies... Il a cru qu'il parlait de bison en verlan. Félicitations les traducteurs. Parce que ça, c'était pas dans la VO. C'est très fort. Danny est tellement bête qu'il ne connaît pas le mot verlan pour verlan. John est tellement bête qu'il a raté l'évacuation. Danny est tellement bête qu'il embrasse son couteau pour lui souhaiter bonne nuit et maintenant, il a les lèvres gercées. John est tellement bête qu'il pense que le lait chocolaté vient de vache marron. Danny est tellement bête qu'il mange ses steaks avec du ketchup. John est tellement bête qu'il pensait qu'un steak cru est un steak que tout le monde croit. Une phrase en majuscule interrompt de colère des gribouillés. Arrête de parler de ces foutues vaches et fais quelque chose d'utile. C'est une coloc? Voilà, j'ai fouillé. Bon, Tisha est pas là en tout cas. Hein. Il y a un nounours dégueulasse, mais pas Tisha. Tisha. Nounours. Ok. Donc apparemment. Ah bah elle est là. Oh, mais ils sont tous là en fait. Mais tout le monde va bien en réalité. Bonjour, comment ça va? Ruben's gotta be involved if it's the CDC. C'est quoi leur plan? He's the shadiest fucker of all. Ok.
Bon, je le sais, hein, ça vous dérange pas, j'espère. Cool place, people. Funky living in the age of the zompocalypse. Tiens, je vais en profiter pour réparer cette merveille. Moi, je suis un peu comme le mec qui embrasse ses couteaux. Et j'embrasse ma batte, ça fait moins mal. Old Rubes is freaking out. Must be to send his VIP. Firstly, I volunteered. No one sent me. Secondly, I'm not sure I trust him. Why'd you say that? Dunno. A tingle in my socks. Yeah, join the club. So, get this. I'm sightseeing in Brentwood sewers when this lady, bare feet, calm as you like, tries to kill me. Not 5 minutes ago, I walk in on her and your dad chatting like an old couple. Auntie Lola? Why would she be here? That's her! Tata Lola? This is all just another day at the office. That's pretty crazy, even for her. She knows more than she's saying. But first, come back and let Rubes know you're okay. Not happening. This is your family, Tisha. Okay. God, hold up. Look, we both want to know what's going on with Dad, right? If I give you a direct line to Lola, can you give me more time to investigate? Dunno. I don't want to piss off the one guy that can get me out of here. Look, there's a data blackout, right? No internet, no nothing. But our resident hacker, Ava, has found data packets routing between the Serling, CDC HQ, and the Ramgate building. It might clue us up on what Dad's mixed up in. And what is this hotline to your Auntie Lola? I got a code phrase. Look, you go to an OSK store and say 12 Sambuca Karaoke Queens to the OS. OSK? Wait, she's that Lola Conrad? Yeah, and if she's involved, it's something wild. Okay, deal. But we share the goss, right? No more being kept in the dark. Yeah, I was gonna say the same thing. Cool. Welcome to the Mushroom Club. Contacter Conrad à la boutique OSK. On peut imaginer que c'est genre une boutique de luxe, un peu, non? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, meuf? Ça va pas? Pourquoi tu me gueules dessus? Elle est malade, elle! Non, je veux juste avancer, elle me dit hey! Bon. En tout cas, c'est tout propre ici, hein. Ils ont fait le ménage. Boutique OSK. Billionaire recluse did not flee LA. Sortir par là ou pas? Down and awaken something inside of me. My socks are definitely tingling. Oh, Conrad, c'est la meuf, c'est ça? C'est Lola Conrad? Here we are, OSK store. Right, find the scope and mutter the magic phrase. C'est un Apple Store. Oh, un boucher comme le clown. Oh, il va être chiant lui. Toi, tu vas être chiant. Putain, ça se déplace vite. Il va où? Il s'est barré, bordel. C'est quoi cette blague? Mais ça se fait pas. Oh, je vais pas lui courir après. Hein. Alors, ouais, c'est un Apple Store. Genre, il revient et tout. Il s'est refait une... Non, il s'est refait une santé. Bra. Lui, il doit donner des trucs trop bien quand
quand tu réussis à rassembler suffisamment de glandes de zombies là. À insectes, c'est un peu de la merde. J'ai pas l'impression que les dégâts font les insectes soient très importants en réalité. Je peux aller où maintenant? Je peux grimper là-haut? On dirait que c'est fait pour. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Non, ça a l'air d'être un endroit pour ressortir, mais pas pour rentrer. Ouais, dites le message codé au scope. Je dis où le message? Machin là? Ah ça! Bollocks. Server reboot needed. Mais en fait, scope, c'est pas les appareils qu'on trouve un peu partout depuis le début? Serveur déconnecté. Trouver et redémarrer les serveurs. Server room. Cherche une carte magnétique pour la salle des serveurs. Putain. Carte magnétique pour la salle des serveurs. Avis du personnel, foutez le camp. Bon, alors Henri vient de sortir les poubelles. Et il y a eu un hurlement et un cri. Et il n'est pas revenu. Je me fiche de ce que dira l'entreprise. Je ne laisserai pas cette boutique ouverte une minute de plus. Si vous êtes de service, ne jouez pas au con et foutez le camp d'ici. D'accord. Donc on recherche la carte de Henri. Henri ? Henri ? Non, pas Henri. Alors Henri, il était vers les poubelles. Ah bah c'est peut-être là alors. Voilà, ordure. Ah, ça se fouille ça? Oui, ça se fouille. Give me a clue, Henry. Fart or something. Nothing here either. This is the life. Rummaging through bins, looking for a body. Oh, Henry. You in here? Du coup, ça veut dire qu'on cherche un tas de d'ordures suffisamment grand pour qu'il y ait un mec dedans, non? Lui, Henri? Ah, il est là! Henri! Putain, Henri, il était classe! Lui, il est en costard et tout, quoi. Bon, c'est bon, j'ai la carte. On les reconnaît tout de suite, les bons vendeurs. Hein. Alors. Ah oui, non. Serveur. Alors, redémarrer les serveurs, ça c'est quoi? Le script du service client OSK, ouais, bon, on s'en fout. Barre de protéines. Carnage, oh, nouvelle carte déverrouillée. J'aime bien les cartes. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de l'autophage. On va tout déchirer. En colère sanguinaire, donne un bonus majeur de dégâts et de force. Mais les attaques dépensent plus de colère sanguinaire. Ouais, c'est chiant ça à chaque fois. Je trouve à chaque fois que les malus... important par rapport au bonus. Arrêtez de jouer avec les boîtes de conserve ici, qu'est-ce qui se passe? Personne. Courant électrique. Trousse de soins. Power is on, so... Et du coup maintenant en fait j'imagine que tous les scopes. Maintenant que j'ai refait... Allez ! Lovely. Voilà, maintenant que j'ai réactivé ça, j'imagine que tous les scopes de partout sont tous actifs. Alors je sais pas à quoi ça sert.
Mais alors j'espère qu'il n'y a pas une quête qui va me demander de tous les retrouver, ça va être chiant. Tuez-les tous. Oh putain. Ah, boutique est fermée, on est en rupture. Alors comme ça, on vient le dimanche. Oh bah merde, putain. Quelle heure il a là? Que je sache à peu près, ça fait un petit moment que je joue. Ouais, peut-être s'arrêter. Est-ce que je peux quand même dire le message codé au scope vite fait? We're closed. J'aimerais bien. Hop là! C'est bon? Voilà. C'était aussi simple que ça. Un petit peu d'explosif et. Ah mais non, putain, j'ai pas touché la bonne. Elle était cachée derrière les plantes. Je l'avais pas vu. Ah par contre ça me fait plaisir. Colère sanguinaire prête, alors toi tu vas prendre cher. Maîtrise de la colère, c'est quoi ça? Tuer 50 zombies avec des attaques de colère sanguinaire. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Bah, donne-moi tes glandes, toi. C'est bon, tout le monde est mort. Enfin, tout le monde est mort. Tout le monde est remort. Hello computer. 12 Sambuca Karaoke Queens. Eschaton. Noun. Theological. The end of the world. The end times. The final event in the divine plan. From the Greek root, meaning... Si j'arrive à... Bah, je pense que ça, du coup, c'est un peu l'équivalent des Google Chrome ou des Alexa, c'est ça? Genre l'assistant, quoi, l'assistant vocal. I'm Dr. Reed, but you can call me Ruben. Noah, they told me there's something in my blood that... Yeah, shh. Let's keep your specialness just between us for now, okay? Okay, sure. But it's about a cure? If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood. Now that we've found you, humanity stands a chance. Cool. So, what happens to me? You just take some blood, or... We need to get you to our lab on Ocean Ave. Rien, ce qui se passe, par contre. We have the equipment there, and answers to all your questions, I promise. Okay, you're the doctor. So, I'm not the first. And Rubes hasn't exactly been straight with me. What happened to this other guy? Zephron, it didn't work. The level spiked. Ah, mais d'accord, mais ça parlait d'un autre gars alors. Ok. Nous, je comprends mieux. And our friend Noah? We need a new candidate. We haven't found anyone else. There has to be someone. You know what's at stake. Keep looking. I need to find this lab on Ocean Avenue. That's where the answers will be. Ok. Hold on. I thought the cell network was dead. Utilisez ce fichier image qu'on vous a envoyé pour trouver le laboratoire du Dr. Reed. Fichier image. Ah, bah merci. Il est où le... Sur Ocean Avenue. C'est pas là où il y a la quête là? Avec Laura? Ah non. Venice Beach. Donc une bagnole avec une antenne. Ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une bagnole avec une antenne. Il y a un parking souterrain. Déjà la bagnole avec une antenne, ça va être un indice. Ah, ça va être un indice plutôt utile, je pense. La bagnole avec une antenne. Ah non, là tout à l'heure j'y suis passé ici. On va pas avoir vu quelque chose d'intéressant dans le coin.
En même temps, qu'est-ce qui me dit que c'est dans le coin finalement? Parce qu'il précise juste que c'est sur Ocean Avenue, mais... Oh attends, c'est pas un truc comme ça? Là, non, il y a un peu en contrebas. Oh putain, oui, je crois que c'est un truc comme ça. Ça doit être par là, je pense. Oh, l'antenne, regardez. Et bon, est trouvé, c'est là. Here we are. Tisha, I'm outside the Rangate building. I think the lab's in loading bay 7. Can you open it? Sure can. So the lab's in the building. I'm on my way. Thanks. I'm going in. See you soon. Ah, d'accord, j'avais demandé comment on ouvrait. Oui. Your box standard. Tais-toi, tais-toi. On va la laisser crier un petit peu. Non mais faut la laisser se calmer, elle a le droit d'extérioriser aussi. Un plan percé, ça me tue en vrai. Peut-être t'as les gros costauds, eux ils ont des implants, des faux biceps. Et elle a des implants percés. Et vous avez une petite fuite de silicone, madame. Non, c'est rien. C'est rien, non, mais vous inquiétez pas. Hein. C'est pas dangereux. Ça me rappelle le temps où quand t'avais une fausse poitrine, tu pouvais pas prendre l'avion. À cause de la pression, c'est... Bah. Et ça, c'est pas une légende pour le coup, hein. C'était les anciennes méthodes de chirurgie esthétique. C'est quand même un peu chiant, quoi. Alors, foudre. Ah, c'est une nouvelle carte? Ici, c'est... Ah, il y en a tellement des cartes. Compétences d'autofrage, c'est le coup de foudre. Frappe vive, inflige électrise aux zombies, les dépenses de la santé. Et quoi, frappe vive? Alors déjà, c'est chiant. Frappe vive. Oh, c'est ma frappe que j'adore. Mais du coup, ça dépense de la santé, donc bah, c'est un peu de la merde. Mais ok. Vous avez trop de pression, madame. Faut décompresser, madame, voyons. Non, mais t'imagines, genre, si ça se trouve, en fait, ils savaient pas au début. Et c'est-à-dire, ils s'en sont rendus compte parce que, bah... Il y en a une qui a fait l'expérience, elle a pris l'avion après sa chirurgie, et t'imagines, PAH! C'est la déflagration, quoi. Ça va choquer quand même, ça doit faire quelque chose. T'imagines les dégâts? Someone was being extra cautious. Triple serrure. Où est le dépôt du docteur Reed? Mais comment je rentre, du coup? Ah, attends. Ah! Ah! Alors. Ça? Ouais. C'en est un, ça, ou pas? Non, ça, c'est la caméra de sécurité. Ça, ça se détruit pas, ça. Je suppose qu'il faut suivre les petits tuyaux. Voilà. Hop. Ça, c'est tout pourri comme... comme mission. Pour trouver des trucs, généralement ça va. Il y en a peut-être un à l'extérieur, ceci dit. Il y en a peut-être à l'extérieur. Non, ça a l'air de s'arrêter là, en fait. Attends. Il va où ce tuyau, là? Oh, mais ça se détruit, ça? Ah! Ça se trouve, j'ai raté plein de trucs à cause de ça, genre des passages secrets, des machins comme ça. Ok, this is it. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça,
Ouais, ouais, ça ressemble à un endroit où il y aura une horde ou un boss, hein. Je sais pas. Un petit peu d'expérience dans le jeu vidéo et... ça me dit quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. Moi, j'ai toujours dit, quand vous avez des cobayes, faut quand même les nourrir un petit peu de temps en temps. Après, on m'écoute jamais, hein, mais je pense que c'est mieux. Fouiller dans les équipements. Mm-hmm. Et bah, fouillons les équipements, tiens. Composants électroniques, ouais. Ah, mais c'est un truc à... Wait, I stuck my arm in one of these to see the... La prise de sang. Ah, il est dégueulasse. Ah, il y a un truc. Ah, non, mais il faut la désinfecter, votre machine. Hein. Après utilisation, c'est mieux quand même. Je suis à combien? 25%. Quick. Ok. Oh, ça, c'est cool. Les poubelles comme ça. Il y a des déchets... Des déchets de zombies là, des implants percés. Ça fait plaisir. Il y a sang infecté, vésicule biliaire toxique. Ah, on en trouve des choses dans les poubelles ici. Hein. Ah non. Voilà. Tiens, bah, j'ai trouvé justement un implant percé. Je l'ai trouvé, il est là. Et Jacob, il fouille la poubelle. On lui a fait tellement prise de sang qu'il a desséché. Bah, j'avoue que... Il a un peu l'air déshydraté. Hein. Bah, je veux dire... J'ai acheté un saucisson hier, là, quand j'étais à Carrefour. Au niveau de l'aspect, il y a quelque chose. Hein. Ça ressemble un peu. K-A-T-A-B-A-S-I-S. Enjoy. Et tu veux que ça me foute? Another blood drive, like the one on the pier. That must be Noah. Mettez-y le feu et observez. Whatever they were trying, it killed him. Well, this all looks splendidly sinister. Not Wakanda. C'est pas le Wakanda, quoi? Only one person I need to talk to. Doc Reeves. He's my only... Oh. You must be Noah. Nah, Gruff, I don't need a pet. You have to stay here. Don't give me those puppy dog eyes. Uh-oh. Mate, I am not taking you home. Waouh, cette mutation à la Resident Evil. Bon, ah oui, mais carrément, c'est un tyran, ça, le truc. Tu es Noah. Donc Noah, c'est le mec qui était immunisé et... Ouais, bah, l'immunisé, ouais, bon, je sais pas. Hein. Oui, putain de merde. Il m'aspire. Ah ouais, non, mais c'est vraiment une... Ça, c'est vrai. Pour le coup, c'est vraiment les mutations à la... Ah, à la Resident Evil. Elle est un peu cool d'ailleurs. Genre la cage thoracique ouverte et tout. Okay. Raté. Ah, ça arrive, hein. Espèce de couillon là. Ah, mais ça tape à distance ce machin. Ah
décoller. Il lui arrive à mon personnage. Il arrive, mec. Ah, je suis en mode de... Pourquoi je suis en mode colère? Ils ont scripté la rage, quoi. Oh, c'est quoi cette arme? Please. Not this. Non, il y avait une bonne arme. Me transportez pas ailleurs là, s'il vous plaît. Oh, qui c'est ça? Elle est bizarre la meuf derrière. Hello again. I ate someone, and now I'm shiny? Kind of freaky, huh? You hit rock bottom, and you bounced hard. You're gonna feel that one for a while. You're living for the drama, I see. Lola, we got others to cover. I know. The rebirth is never easy. We all needed help through this one. We are rare. Precious. What's inside me? What am I? We are. Well. Reuben calls us Newman. We are the endpoint. Humanity distilled. I'm sorry. I had to push you hard. There is some cataclysm-level shit coming down the line. It won't wait. And it's not kind. Only Newman, like us, can carry humanity through it. But the plague? Doc Reeves is gonna find a cure and kill it, right? There is no... Regardez-moi cette jolie petite arme là qui brille. He was a good man. J'arrive, bébé, j'arrive. C'est un peu difficile là, de te regarder et de pas pouvoir te choper. Making a cure. No, hold on. He's not making a cure because he can't. No one can. Humans. The autophage. Newman. It's an immense life cycle. Oh, bah, j'avais quand même raison de penser que l'autophage était un peu de la merde. Non, mais vous avez vu la gueule de ces sbires à elle? Genre, il pète pas un mot. Non, fermez pas la porte! Non! Mais non! And you've had my two cents, so go and ask Reuben his. But whatever conclusion you come to, remember. Vous avez l'air d'être des gens. Non! Compétences déverrouillées. Vous avez débloqué les compétences de l'humaine. Vous pouvez maintenant embrasser votre plein potentiel en tant que tueur de zombies. C'est quoi? L'humaine, ah ouais. Alors du coup là j'ai quoi? D'autophage, prenez le risque de prolonger la colère sanguinaire. Quand elle arrive à zéro, elle continue, mais dépense de la santé. À la place, jusqu'à ce que votre santé soit basse. C'est de la merde, j'en veux pas. Je veux pas la virer? Voilà, hop. Oh. Ah, c'est bon. Viens là, toi. Ouh, épée zombie de mutilation. Voilà. Ouf, oui, elle me fait quelque chose, elle, par contre. Hein. Ah, parfait. Parfait. Elle est trop bien. Oh, j'ai eu un petit peu peur de la perdre. Vous savez quoi, celle-ci? Hop. Je peux pas m'en débarrasser? Abandonner. Oui, je sais, c'est une arme de quête, mais balèque. En plus, elle est pourrie. Couteau de chasse, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ah, mais maintenant, je veux dire...
Pourquoi garder des armes aussi, aussi pérables? Ah, là par contre, 368. Il y en a une qui est pas modifiée, hein. Et rapide. Pistolet à clou d'électrocution. Ah, mais c'est que des pistolets à clou en fait. 322. Donc, ouais, celui-là, je vais m'en débarrasser. Voilà. Et là, on va en garder un. Lui, j'en veux pas parce qu'il est déjà modifié. Je préfère utiliser mes propres modifications. Donc. Hop, vivement que je tombe sur un pistolet à clous rare. Matraque, maçon composite. C'est beau mon petit inventaire comme ça là en vrai. Hein. La porte au nez, ils m'ont fermé. Oui, ils m'ont fermé la porte au nez, les bâtards. Ouais. Ok. Il y avait des choses à ramasser sinon. Il m'a pas donné de glande lui par contre. Écoutez, je pense que je peux être content avec cette petite merveille là. Un bruit ? Ouais. Moi, je choisis de pas être dans leur groupe là, dans leur secte. L'autophagie ne m'intéresse pas et vraiment, je vois absolument pas l'intérêt. Là, genre. Ma colère telle qu'elle est maintenant me convient beaucoup mieux que de risquer de perdre de la santé ou je sais pas quoi. Alors maintenant, c'est affronter le Dr. Reed, hein, quand même. Le Dr. Reed, il avait l'air gentil comme ça et tout ça. C'est le vieux bonhomme et tout ça, vieux médecin. Non, mais je vais vous aider. Oh là là, vous êtes le remède de l'humanité. Mais c'est un gros con. Alors comment ça se passe avec les armes? Ah ouais, et je l'ai pas encore modifié, hein. Il y a peut-être moyen que ça fasse encore plus de choses. Bon, de toute façon, on va se quitter là. Pas. Le bureau de 24 ? Scoop. Quoi, le bureau de 24 news? Ça a l'air d'être ça. Oh, il y a une pub pour le Blue Crab. Vous croyez qu'il est possible d'avoir cette magnifique arme et de faire la même chose aux zombies qu'aux crabes? Elle, 24 news, ouais, c'est elle. Ah, c'est elle qu'on va sauver ou pas? Ça va, hein, il y a des sauvetages que je veux bien faire, hein. Oh, mais... Faut avoir du cœur dans cette période difficile. Voilà, les jolies petites blondes à forte poitrine, on les sauve. Barre-toi de là, toi. J'ai foutu un gros coup de pied au cul. Hello. Don't worry, I'm genuinely charming. J'ai entendu un grognement. Ouais, je suis sûr de moi, j'entends des grognements. Bon, lecteur des digicodes, d'accord. Fermé. T'as pas suivi le zombie là? Non. Ouais, ok, il y a l'air d'y avoir un petit peu de monde quand même dans le coin. Bah, on va peut-être faire ça. C'est une VOD qui va durer longtemps, ça. Same old. Plan de l'équipe de la 24 News. Voilà le plan. Ce bâtiment est comme une forteresse barricadée. Nous pouvons tenir à distance pratiquement tout le monde, à l'exception des rampants. Nous sommes en sécurité avec largement assez de nourriture et d'eau. Wow. Tu es du cul, votre plan, hein. La preuve. Valise. Hop. Apocalypse zombie, affectation.
Surveillance de l'activité, maintenance du courant. Ah ouais, ils avaient toute une petite équipe. Ce qui veut dire que maintenant, la plupart de ces gens sont probablement morts. Du coup, ça veut dire qu'il y a toute une petite équipe de zombies qui m'attend. Pile de cadavres. Shit got real. But they held. Ah, Chim, ils ont tenu le coup. Ouais, ça va. Ils ont fait le taf. Bon, d'accord. Le bâtiment a pas l'air si grand que ça en même temps. On a peut-être pas pour si longtemps à faire cette quête. Fuck! Oh! Almost blew my gusset! Someone's alive. Oui, il y a quelqu'un de vivant, t'as pas entendu l'appel tout à l'heure? Il est con, lui. Peau dure! Ne pas confondre avec les peaux douces, qui sont une marque de couche. Compétence d'autophage. Ah, donne un bonus modéré de résistance pour mieux encaisser les attaques physiques. Mais réduction mineure de résilience. Non! Je refuse l'autophagie! Je dis que je le ferai pas, je le fais pas. Passe de sécurité. C'est à partir de là que les mecs en bas vont se réveiller, c'est ça? Très bien que j'ai un... Attends, est-ce que je peux pas récupérer une arme un peu plus... modifiée, disons. Parce que la mienne, j'ai pas modifiée. Ah. Ok, bah pas par là. Steady. Ah, j'ai eu peur. Ils ont réussi à me faire peur avec un vieux truc électrique. Ah, d'accord. C'est la fenêtre par laquelle je suis entré, ok. Probablement par celle où je peux sortir. Oh, il y a du zomblard là dans le coin. Oh, il y a du zomblard. Je sais pas où ils sont, mais ça s'entend. Et merde, comment je fais pour y aller? Que j'aurais dû aller ouvrir les portes en bas, y a rien ici. Non. Ah, hein, c'est derrière là hein, qu'il y a quelqu'un. Finalement. Eh ! Ah, mais cette porte, je peux l'ouvrir ? Quoi ? Mais tout à l'heure, je pouvais pas. Mom says I'm quite a catch. Oh, ils sont là. Dites aux survivants que l'aide est arrivée. Elle est là pour survivre, elle aussi. Ouais, ouais, bah l'aide est arrivée. En tout cas, il y a du zomblard dans le coin. Hein. Ça s'entend. Ok, il y a du zomblard et... ouais, il y a un petit peu trop d'eau ici pour que ce soit innocent. J'ai toujours voulu voir un plateau télé. Alors bonjour, vous êtes pas la présentatrice vous? Ah putain, mais moi je voulais voir la blonde. You know he gave me a heart attack. You got the message? Yeah, but someone got tore up in the lobby. I know. We've been here reporting since it all started, telling truth to the people. At least until we realized no one was getting our broadcast. We thought we could survive long enough to get the story out. But you saw David. There's something in here with us. Yeah, I've got the same tingle in me socks. You should leave. The others are busy upstairs. Can you get to the basement? If you get the servers working, we've got surveillance cameras to track whatever. J'aime bien les propositions quand même, on peut pas les refuser hein. En fait, vous intéresse d'aller au sous-sol? I'll be back. Je veux dire un sous-sol normalement, tu vois, dans ton immeuble. Franchement, on a d'autres choses à voir, tu vois. Mais alors, dans un monde infesté de zombies, hein? Vous voulez aller voir un sous-sol? Compétences de vide, tous les serveurs dans le sous-sol. Ah, mais je sais que j'ai des emplacements de compétences de vide, mais je veux pas de l'autophagie. Allez vous faire foutre. Mais le jeu qui force, quoi. Alors, pour être clair, je pense pas qu'il y ait... Genre que... Il y a plusieurs fins...
que voilà, que tu peux avoir un scénario où genre ton personnage vrille et devient un zombie, j'en sais rien. Je pense pas, hein, mais je trouve vraiment les malus pas intéressants. Voilà pourquoi je veux pas. Ok. Bon bah là on n'ira pas. Ok. Voilà quelque chose qui m'a l'air de mener à des sous-sols, peut-être. Je suis en train d'ouvrir toutes les portes que... où j'ai coincé tout à l'heure, ouais c'est ça. Ouais, on m'a filé toute la... Oh, on m'a même filé la clé des chiottes, cool! Ouais, c'est journée porte ouverte, hein. J'essaye de faire du repérage, en fait. Ok, bien, d'accord. Là, je peux pas. D'accord. J'ai eu peur un peu de mon ombre, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Ah, et là, je reviens ici. D'accord. Qui c'est qui tape ? Je sais pas. Il y a des choses qui tapent, hein. Peut-être des choses qui sont rentrées au passage. Bon, je vais aller au sous-sol, mais qu'est-ce qu'il y a si je grimpe ? Juste. Il n'y a pas rien du tout. L'étage le plus charmant, il est là. On se sent bien ici. Oh là, oh là, oh là. Vas-y, reste là. Ah merde, c'est un zombie électrique. Il s'en fout, lui. Eh bien là, Pikachu. Ah, dégage. Oh, tout ce qu'il m'a mis, le bâtard. Redémarrer les serveurs au sous-sol. Mais ça va, c'est tout petit en fait. Attends, serveur. Barre de. Nanana. J'ai un peu l'impression d'être. D'être dans Jurassic Park là, tu sais. Quand on lui demande d'aller rallumer le courant et qu'elle va toute seule dans un endroit qui ressemble un peu à ça. Avec des grilles et tout. Est-ce que je vais trouver une main ? Il va venir sur mon épaule. Voilà. Ah ! Hop, voilà. Alors, le truc est mort, il peut quand même pas... Il peut quand même pas faire de l'électricité après. C'est bon ? Ça marche, la caméra tourne. Okay, eh ben, je me casse. Oh my god ! Something's happened. You need to get to the conference room right now. Il y a une salle de conférence sur le champ. Montez deux étages ? Ah oui, c'est ouvert. En fait, je disais...
avec beaucoup de naïveté. Oh, ça va. C'est pas si grand. Parle. Mange ta casquette. Il y a quoi en bas? Ah oui, d'accord. Ok, ok. D'accord, on connaît. On connaît, je me suis fait un petit raccourci. Ah, vous croyez qu'il n'y avait pas la trouver, la trousse de soins, là? Nothing to see here. Ouais, putain. Qu'est-ce que c'était, ça? Il y a des trucs qui rampent dans les conduits. Oh là là. Ouais. It's me again, Constant. OSK. Also, Constant OS. The operating system created by Conrad Reality. Avant qu'il ne soit trop tard, il est marqué. Hey, Constant. Je dois me dépêcher. Et du coffre. Attends, avant qu'il ne soit trop tard. Hello, Sunshine. Oh non, il les a bouffés. We got business, you and I. Ça veut dire que j'étais trop lent? Bon, attends, je regarde quand est-ce qu'était la dernière sauvegarde quand même. Continuez. Jouer. Je me suis pas rendu compte en fait que la mission avait changé au moment où j'ai vu le boucher ramper. Je pense que c'était là que j'aurais dû courir pour les aider. Voilà, sauver Stein là avant qu'il soit trop tard. Ah, je suis perdu. J'étais peut-être trop tard de toute façon, hein. Je pense que j'ai raté ma chance. Hello, en même temps, quelque chose me dit que je pouvais peut-être pas les sauver finalement. Ils bouffent pour se remettre de la vie, les bâtards. Ah ouais. Oh, j'espère que j'ai pas raté la quête. Genre, ça me ferait chier. De me dépêcher, on sait jamais. Hello, Sunshine. We got business, you and I. Oh, nouvelle carte de survivant. Qu'est-ce que tu m'as donné encore? Putain, il y a tellement de cartes de survivant. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux coucou. En colère sanguinaire, tuer des zombies rend de la colère sanguinaire. Ah bah ça me plaît par contre. Alors ça c'est très cool. Ouais, ça c'est bien. Ah oui, mais ça c'est trop cool. Mais c'est ultra pratique. Bon. Ah non, il a bouffé quelqu'un d'autre en fait. D'autres bouchers arrivent, hein. Ouais, mais il y a un moment, les bouchers, c'est chiant, hein. Par contre, attends, est-ce que j'ai de la colère? Ils veulent pas me... Alors peut-être qu'il faut que je le tue, en fait, pour que la colère, elle remonte. Que je tue lui, là. Hello, Sunshine. We got business, you and I. Parfait. Ah, c'est bon, il suffit juste de bien... C'est bon, j'ai ma colère sanguinaire. Je suis en colère. Il y a des colères saines, il paraît. Allez, hop. Je la. Ah oui. Oui, je l'ai vu remonter. Oh, c'est trop bien. J'ai vu remonter. Oh! Area news anchor moderately impressed. Vérifie qu'Esta et Nora vont bien. Attends, mais c'est trop bien, attends, c'est quoi cette arme? 22?
Là, pour le coup, c'est vrai. C'est vraiment le, c'est vraiment l'arme Hugh Jackman. Oh, il y en a deux. Ouais, j'arrive. Donne-moi deux secondes. Je bois un petit coup. Alors. Là, les meufs. Yeah, they're done. Although I should point out that I don't do mop-up work, so we're fine. Fuck. Without you, we'd be dead like the others. I'll lift the shutters. We need to get our things and deal with the bodies. You guys need a plan. We can't broadcast, but we can keep investigating. I'm not missing the chance of a lifetime. Heard a lot about the military evacuation on the beach. It's time we saw it for ourselves. Grit, that's good. You'll need it. The rides on the pier. Les manèges sur la jetée fonctionnent. Si vous voulez profiter du passage là-bas, faire un petit détour, franchement. Marquer les esprits, c'est quoi ça? Terminer 10 quêtes annexes. Ah, mais c'est un plaisir. Oh, et du coup, ça m'a déverrouillé une autre quête secondaire. Compétences, c'est quoi ça encore? Une carte, mais arrêtez, je sais plus où les mettre, moi. Bloquer ou esquiver au bon moment déclenche un bonus de recherche pour l'objet à lancer. Ouais, ça peut être pas mal, ça aussi. Tiens, frappe vive, rend de la santé. J'avais une carte ultra pratique sur moi, je me suis même pas rendu compte que j'avais ça. Ok, bon bah voilà. Elle pète pas un mot, hein, jamais. Apprends à mettre un pull, bordel. C'est quoi, c'est une écharpe, ça, mais... Et soit t'as du style, soit t'en as pas, hein, mais fait, y a pas d'entre deux, ici. Bon, allez, Cassos. Bon, et Cassos aussi de cette partie, hein, ça a duré longtemps, là, je m'attendais pas à faire cette quête secondaire. Donc, je sais pas où on en est exactement au niveau de... Au niveau de la progression du jeu, là. Oh, I see. That's the way it is it? Got what you wanted and fucked off. Parler à qui, là? Ah, putain, l'hélico! Du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus personne là-bas. Je sais pas. J'attends qu'il y ait une sauvegarde qui se passe. Et on s'arrêtera là. Est-ce que je peux passer par là, tiens? Je vais passer par là. Ah, ça je peux pas. Ok. Attends, mais qu'est-ce que je vais retrouver en fait? Ils auraient quand même pas foutu le bordel ici, genre. La porte est fermée, c'est bizarre. Ruben and Tisha just flew out of here. No warning? Nothing? Not a damn thing. Jimmy's trying to figure it out. People are harder than zombies. Don't let anybody in. What's happening, Jimmy? Fucking piece of shit. I know what you did. Deep breaths, fella. It's all in there. Ruben, Eshatlin, whatever the fuck that is, and your name. Over and over. You all started the outbreak. You're wrong. You're fucking psycho! Jimmy, he said my blood was the cure. Bruh, I'm not your enemy. I just wanted out of this LA, like all of us. He killed my city. I should have put a bullet in him. No! Jimmy! Mais quel con. Non, mais lui, alors, vraiment, il est... I know where he's gone. Il est full con. Mais jusqu'au bout, quoi. Merci de détruire l'épreuve. Il est parti vers où? Hollywood, il a dit? Aussi, ça peut être intéressant à visiter. Hein. Est-ce qu'on va voir Hollywood Boulevard? Est-ce qu'on va voir les étoiles? Should I tell him? Jimmy?
You've captivated audiences through 9 seasons of lowbrow detective TV. Yeah. Yeah. June Montana. 9 seasons on the badge. 9 fucking seasons! Hey! Shut your holes, you bitches! Jimmy Montana's in charge now! Right. D'accord, il a pris un peu la conf, lui, hein. Escape is everything. Emma Jones. Emma, it's Jacob. You copy? Hello? Did your doctor get you out? No, is the short and depressing answer. New plan. I know where there's a helicopter. And I know a pilot. Huge fan of your work. You need to persuade him to fly us. Persuade him to... Hey, if you think I'm gonna fuck some creep so you can fly... Je vais baiser avec n'importe quel taré. Fair assessment of our relationship. You just need to talk a nice, agoraphobic hermit into flying us out of LA. Oh, that's splendid. C'est particulièrement bien dit. Un ermite agoraphobe. Ça correspond bien à notre petit clochard. Enfin, clochard, le mec bizarre qui vit dans les égouts avec et qui vole des étoiles sur Hollywood Boulevard, justement. The sewer outfall, near your house. Bring Sam, prepare for trouble. La prochaine fois, du coup, on essaiera de faire des quêtes secondaires encore. Hein. La vérité, si je meurs. Percer le terrible secret et apprendre la vérité sur votre nature. Retrouver Sam et Emma à Bel Air. Ah, on retourne à Bel Air alors. Ouais, non, mais on fera les quêtes ici de personnes disparues. Il n'y en a pas une autre qui s'est ajoutée? Non. T'as rien à me donner, toi. Objet à lancer, qu'est-ce que c'est ça? Déclencheur attire les zombies. Bon, j'achète, mais c'est juste pour la collecte. Hein. Ouais, ok, donc on va se laisser là. Ken, ouais. C'est une belle petite partie par contre, un peu longue. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Au niveau de la progression de l'histoire, finalement pas grand chose. Mais ça va, on a bien exploré le coin, là, la zone. C'était cool. Ouais, la prochaine fois, on fera les quêtes secondaires. On reviendra... Bon, on restera dans le quartier. Je sais qu'il y a... faut aller à Venice Beach. Non, je sais plus. Je crois que c'est le premier quartier où on est arrivé à Santa Monica, en fait. Il me semble que c'est là qu'il y a une personne disparue. Il y en a probablement d'autres. Après, je sais pas. Avant d'aller à Bel Air, et je me demande si là, on va pas faire full quête secondaire. Parce qu'il faut retourner au studio de cinéma... Il y a 2 quêtes qui se passent là-bas. On verra la prochaine fois, mais il est fort possible qu'on se concentre sur les quêtes secondaires, ce qui n'est pas un défaut, parce que les quêtes secondaires, encore une fois, sont super cool. Donc ça fait plaisir. Bon, des bisous, merci, et à bientôt. Voilà.